First of all, Coach, congratulations for qualification to the quarterfinal. And now probably you're thinking about the next match at quarterfinal, maybe to play against Japan or Jordan or Syria. So how would you plan for the quarterfinal match? La première chose, c'est qu'on va d'abord penser à récupérer après ce match-là qui était vraiment ce plan pression et nervosité qui était important pour les joueurs. Donc maintenant, on n'a pas de plan pour le prochain match parce qu'on déjà on ne sait pas qui on va rencontrer puisqu'il reste un match à jouer demain. Et après, il sera temps justement de voir et d'envisager contre qui va jouer, parce qu'entre la Syrie, la Jordanie et le Japon, aujourd'hui, on a de l'incertitude. Donc pour l'instant, on va savourer cette victoire et bien se préparer pour le prochain match, où la coupe va vraiment démarrer, parce que quand on démarre ce tournoi, il y a trois matchs, c'est un mini-championnat. Maintenant, la Coupe d'Asie démarre à partir des quarts de finale. For the moment, we have to give the players opportunity to have rest after this tough match. And we, for a moment also, we don't have plans because we don't know now our next opponent, if it will be China, Syria, or Jordan, and for the moment now for us the Asian Cup starts with the next round, and we have to prepare ourselves, and we will see our plans. Because the first. Participation is the three games in the league. Now it's only one game. The cup starts in the quarterfinal for everybody. Okay. Wait, he said it in English. Okay. Thank you very much, Coach.